Bien le bonjour. Bonjour. Jolie bête que tu as là. Oui, hein, jolie bête. Excellente race. Vous connaissez? On en élève ici un peu plus haut. Il n'y a qu'un inconvénient. Ah oui, lequel? Pour reculer, Bernic. Donc, si votre canasson pouvait dégager la piste... Mais je le ferai avec joie tout de suite, jeune homme. Seulement, voilà. Voilà quoi? Il ne sait pas reculer, lui non plus. Quelle chaleur, hein? Oui, on transpire à ne rien faire par cette température. Joli joujou que tu as là, dis donc. C'est mexicain. Ah oui, sans blague. Capable de faire sauter la tête d'un grizzly. À condition que l'ours t'en laisse le temps, bien sûr. Lui ou un autre, c'est une question de réflexe, c'est qu'il faut s'effoncer sans avoir peur et pan. Je joue avec ça, moi. Joli. Ça descend une pomme à 500 mètres. Sur l'arbre ou en train de tomber? Non, à cheval. Dans une tornade. Où est la propriété de Svensson? Ici, là, ces trois portions. Sur le plan Nora, il les traverse. Là, vous voyez? Il a son mandat d'expulsion? Svensson s'empale également. Je les ai envoyés ce matin. Monsieur Barclay vous attend dans sa voiture maintenant, monsieur Kron, si vous voulez bien venir. Combien d'hommes as-tu mobilisé? Environ 200. Je les veux à notre disposition, de jour comme de nuit. Ils feront tout ce qu'on leur dira. 200 gars armés, ça compte? Ça peut s'avérer nécessaire. Ils ratiboiseront ces technos en moins de 24 heures. Et nous, on sera mis en pièces. Le courageux paysan qui se bagarre contre les gens du chemin de fer a toujours l'opinion pour lui. Dis à M. Barclay. Une minute. Bien, monsieur. Tu crois pouvoir l'éviter? Quoi donc? La bagarre? Faudrait-il encore que je puisse? Mais lui pourra peut-être. Barclay? Bien sûr. Comme l'a fait son père il y a 6 ans. Son père est mort. Mais il a laissé 4 garçons qui doivent tenir de lui. Qui tiennent de lui? En es-tu bien sûr? Le nom ne suffit pas. Monsieur Crown, voulez-vous manger un morceau? Je ne déjeune pas d'habitude. Non, c'est vrai. C'est la preuve d'un tempérament ambitieux. Ou que vous avez des ulcères à l'estomac. Il faut déjeuner, c'est bon pour la santé. Dites-moi, quel toast allez-vous porter? À cette belle journée. Non, j'en ai un meilleur à vous proposer. À l'homme tout-puissant, votre seigneur et maître, Hannibal Jordan. Jordan le Tout-Puissant, à qui il suffit de faire un signe de sa main adipeuse et grasse pour immédiatement transformer 2000 hommes en mendiants. Réfléchissez un peu. Quel genre est le sien? 2000 fermiers vivant sur la terre où ils se sont fixés sur ce bien qui est le leur. Qui est au chemin de fer. Qu'on leur a vendu. Non, loué. Qu'on leur a vendu par adjudication il y a 10 ans, vous le savez. Vous avez porté l'affaire en justice, mais auprès de la commission, c'est notre thèse à nous qui a prévalu. Il y a eu veto, alors. Finalement, c'est nous qui avons gagné. Parce que Jordan a intrigué. Vous voulez peut-être faire appel à cette décision? Oui, je le veux. Vivons quand même à la paix entre nous.
Vous savez, Crown, au-delà de cette colline, il y a une agglomération. De la terre ensemencée et cultivée. Des oliviers, des figuiers, de belles vignes, du bétail. C'est beaucoup demandé à un homme de vouloir qu'il abandonne tout. De bonne grâce. C'est ce que vous allez leur dire, n'est-ce pas? Moi, Crown? C'est pourtant vers vous qu'ils vont se tourner, vers vous et vos frères, comme du temps de votre père. Et vous voudriez savoir comment je vais les conseiller, c'est bien ça. Hein? Eh bien, disons que je tiens à ce que vous sachiez ce qui se passera si vous les conseillez mal. La dernière fois, combien y a-t-il eu de victimes? C'était 10 ou 12 morts, rappelez-vous. Non, vous n'aurez pas le dessus. Vous êtes, je vois, bien décidé à tout tenter. On ne peut rien vous cacher. En voilà un qui ne doute de rien. Pas une chance. Qu'est-ce que vous pariez? $50. $100 pour moi. $500. $750. $1000. $1250. $1500 qu'il arrivera. Et vous osez affirmer que c'est toujours le fer qui gagne, hein? L'exception à la règle, mon cher, ça peut arriver quelquefois. Mais un jour vient où l'homme meurt, tôt ou tard, et ne laisse derrière lui que de la poussière. Ceci d'un homme qui ne mange jamais au déjeuner. Arrêtez les gars, c'est ici comme ça. Vous m'avez entendu, oui? Hé, hey, Harry, je vois que tu as de quoi t'occuper. Song, affreux mandarin. Bonjour, monsieur Barclay. Dis-moi, où est mon frère? Nick! Où étais-tu? Mais d'où est-ce que tu viens? Tu es tout mouillé. Ah, il faisait tellement chaud, tu piques une tête dans la rivière et te voilà tout ragaillardi. Dis donc, tu prends du vent. Oh, pour un malheureux demi-kilo. Et qu'est-ce que t'en fais-tu à San Francisco? Pas chaud. Eh bien, si tu veux de la chaleur, tu seras servi ici. La compagnie de chemin de fer travaille à plein bras. Bientôt, il n'y aura plus un morceau de rocher qu'il n'ait retourné. Bon, tu viens, j'ai ta monture d'or. Qu'est-ce que vous faites ici de toute façon? Vous n'êtes sûrement pas du pays. J'étais en route pour aller chez vous, je cherche du travail. Une fois dans les bois, je me suis perdu. J'ai aperçu cette tombe de mon cheval. C'est étrange, voyez-vous? Une tombe dans un tel endroit. Ils lui ont tiré dessus. C'est ici qu'il est mort. Il est venu aux obsèques plus de 1000 paysans de la vallée. C'était quelqu'un, mon père. Je sais. Quoi, comment vous savez? Ce que c'est que de n'avoir plus de père.
Si vous voulez bien m'indiquer la route, je pourrais peut-être... Vous trouverez un chemin de terre à la sortie des bois. Il vous conduira à la route qui mène au ranch. Dites, voyez mon frère Nick, c'est lui qui embauche. Oui, entendu, merci. Diego, comment est-ce? Hola, je suis content. Quel temps fait-il à San Francisco? En Nigel, mon Dieu. Si c'est la chaleur que vous voulez, eh bien ici, vous ici, serez servi. Je sais, vous serez servi. Comment vas-tu, docteur? Où fais-tu office de juge cette semaine? Non, je pense que finalement tu es poète, avec cette lueur dans l'œil. Dis, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces voitures? Le chemin de fer les a avisés ce matin. Qu'ils payent ou évacuent. Qui a été avisé? Swenson, Sample et Wirt. Ils sont tous là. Oh, monsieur Barclay. Bon, t'es divine, mais tu as un joli, mon vieux. Chut, votre maman est en train de dormir. Vous avez l'air en pleine forme, dites-moi, en pleine forme. Et quel temps fait-il à San Francisco? Beau mais frisqué, mon vieux Silas. Beau mais frisqué. Salut, mon vieux Swenson. Ça va, Franck? Et vous, Wirt? Salut, Jean-Rod. Ça fait plaisir de te voir. Tu leur as arrivé leur clou à San Francisco. Ben bien sûr, c'est le fils de son père. Non, mais regarde ses papiers, il se moque de nous, non? $25 l'arpent, tu te rends compte? Pour ma propre terre. Que je paye ou alors je suis expulsé. Et pour qui est-ce qu'ils se prennent, ces maudits chemins de fer? Avant minuit ce soir. Oui, rien que le délai est déjà scandaleux. Et toi, Franck? 8h demain matin. Moi, midi demain. Je voulais donner ce papier à manger à mes cochons. Mais j'ai réfléchi. Je vais te le montrer d'abord, histoire de rire un peu. C'est donc comme ça qu'ils frappent, à la fois. Oui, ils le croient, ils se font des idées. Qu'ils nous frappent, qu'est-ce que tu veux dire? Vous n'êtes pas au courant? De quoi? Tu as vu le gouverneur? Tu devais avoir une audience, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu le gouverneur. Ce n'est pas vrai, non. Il a opposé son veto. Je suis désolé. Mais c'est irrégulier, tu le sais bien. Du point de vue moral, c'est révoltant, mais c'est légal. Ils en veulent $25 l'arpent. Comment trouver une somme pareille? Combien possèdes-tu de journaliers? Pourquoi? Combien environ? Une vingtaine? En les réunissant tous, ça ferait du monde. Pourquoi faire, Franck? Pour nous défendre, Jarod. Il a tout à fait raison. On se battra comme on l'a fait du temps de ton père. Et que crois-tu que tu trouveras en face? Une dizaine de bougres qui ne demandent qu'à reculer? Non. Ils en ont recruté une légion. Allez voir sur place, ils ont une véritable armée. Bon, alors tu veux qu'on cède et qu'on s'en aille? C'est ce que tu veux, dis? Qu'on abandonne tout? Cette maison où est mort mon fils? Cette maison que j'ai bâtie, mes bêtes et mes champs? Il faudrait que j'abandonne tout. Franck, tu me connais tout de même mieux que ça, non? À quelle heure ouvre le bureau du juge de paix demain? Figure-toi que je n'en sais rien. Neuf heures. Bon alors, j'irai dès demain matin faire le nécessaire pour entamer une procédure. Cela nous donnera un peu le temps de nous retourner. Ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien. Du moins ce soir. Nous en discuterons demain. Franck, tu pourras venir? Oui, si tu crois que c'est utile. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais de revenir demain à 6 heures comme aujourd'hui? Vous, Wirt? Oui, Jarod, j'y serai. Toi, Swenson? Oui, d'accord. Bon, alors, avant de nous séparer, on va boire un verre. Non, je regrette. J'ai encore du travail à faire. Fletcher et Schmidt, je pourrais peut-être les amener. Excellente idée. Franck, essaie de les convaincre. Tu veux boire? Est-ce que tu veux boire? Oui. Whisky ou scotch? Pour moi, ça a toujours été du scotch. Je pensais que tu pouvais avoir changé là-dessus, comme pour d'autres choses. Peut-on savoir ce que signifie cette pointe? On t'avait une procédure. Pour qui est-ce que tu nous prends? Les chemins de fer ont acheté tous les tribunaux. C'est la bagarre ou rien. Bon, bien, vas-y, Nick. Vas-y, bats-toi. Lance-toi à corps perdu dans la bagarre. Ça a toujours été ta façon de faire, d'ailleurs. C'est une tactique valable peut-être dans un bar à matelots, mais pas ici.
C'est à une décision gouvernementale que tu t'attaques. Tu penses que tu seras de force? Dis-lui ce que tu en penses, Eugène. Je pense que vous avez raison un peu tous les deux. J'ai pas d'opinion. Il faudrait que j'y pense davantage. C'est ça, réfléchis. Retourne ça 100 fois dans ta tête. Et pendant que tu réfléchis, la maison brûle, Eugène. Si tu te permets, qu'est-ce que... Jarol, mon chéri, enfin te voilà de retour. Bonjour, maman. J'ai un peu honte, tu sais, j'aurais dû aller te voir là-bas. Oh, dis donc, mais tu prends du vent. Oh, un petit Nick, chéri, je suis obligée de crier à tue-tête chaque fois que je fais ma sieste et que je commence juste à dormir. Oui, Audrey, elle sait qu'elle doit rentrer avant la nuit. Jarol, je voudrais bien que tu parles à ta sœur. Je crains qu'elle n'ait le caractère révolté de ton père. Tiens. Je crois que vous avez de la visite. Je vous retrouverai tous au repas ce soir. Le monde est petit, hein? Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Voir Monsieur Barclay, où est-ce que je peux le trouver? Fais ton choix. On m'a dit qu'il fallait que je m'adresse à Nick. Et pourquoi donc? Je suis sans place, je cherche du travail. Les champs, les bêtes, la charrue, tout ce que vous voudrez, je peux le faire. Comment tu t'appelles? Harry. J'étais dans le train tout à l'heure, je t'ai vu courir. Une jolie course. Oui, hein, c'était intéressant. Et puis on a du plaisir à vaincre un tas de ferrailles. D'où est-ce que tu viens? J'arrive de l'ouest. De quel endroit? D'assez loin, dans l'ouest. Le dernier endroit où tu as travaillé? Corning. Nick, c'est bon, engage-le. Pourquoi? On a ce qu'il nous faut. Tu vois, aujourd'hui, il m'a rendu un petit service. Engage-le, mon vieux. Emmène tes affaires dans la maison des journaliers. Demande McNally. Dis-lui de faire le nécessaire. Habille-toi tout de suite. Bon alors, je t'écoute. Donnez-moi le temps, je ferai ce que je pourrai pour accorder mon vieux... Corning. Jolie ville. C'est là que tu as travaillé. C'est exact. C'est à plus de 150 kilomètres. Et alors? Et tu fais comme ça, 150 kilomètres, chaque fois que tu changes de place. Alors, tu dois voir beaucoup de pays. Dis donc, ça t'ennuierait de répondre. Menteur! C'est pas plus journalier que mon cheval. C'est la vérité que je veux maintenant. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, hein? Oh. Il t'a envoyé espionner chez nous, les gens des chemins de fer. Crown, ces crapules de Jordan. C'est eux qui t'ont envoyé, hein? Non, personne ne m'envoie nulle part. Répondu. Alors, qui es-tu? Je veux le savoir. Je t'ai demandé qui tu es. Le fils bâtard de ton vieux, de ton père, Thomas Barclay. Qu'est-ce qui se passe, enfin? J'ai eu mon content pour aujourd'hui.
Une bagarre, un bain forcé. J'ai failli être tué par ce sacré train. Je vais avoir un peu la paix, vous entendez? C'est donc comme ça que vous êtes, hein? J'aurais dû m'en douter. Ah, le voilà, ce vieux sacripant. Tout à fait le digne père de famille là-dessus, hein? Qu'est-ce que je vous parie que vous l'avez enterré dans ses frusques, avec les boutons de son habit bien astiqués, et ses cheveux bien pommadés et bien peignés, et sans doute aussi une rose entre les dents, et autour du cercueil, la famille en pleurs. Tu vas te taire, ça suffit. Mais qu'est-ce que je parie que l'harmonium jouait, qu'on chantait des cantiques, que les bonnes femmes étaient toutes en larmes, et que le pasteur priait. On a aussi enterré ma mère. Mais il n'y avait pas de simagrée pour elle, pas de fleurs, pas 2000 personnes pour assister au service. La fosse commune, voilà tout ce à quoi elle a eu droit. Parce qu'elle n'était rien, rien du tout. La nuit où je suis venu au monde, elle était abandonnée de tous, seule sous une tente, dans cet infect Troara, ce camp de mineurs abominable de Slavislas. La pluie tombait à torrents et tout le camp n'était qu'un lac de boue. Oui. On pourrait penser qu'elle aurait été aigrie, mais elle était si bonne, ma mère. Elle était douce et fine. Elle était souvent seule quand sa brute de mari, lui, allait boire à l'estaminet et s'en revenait ivre. Jusqu'à ce qu'elle rencontre notre père. Tout cela date de quand? Je viens d'avoir 24 ans. Où était-ce? Dans un camp de mineurs. Tu nous l'as déjà dit. Comment s'appelait ce camp de mineurs? Strawberry. Qu'est-ce que ça prouve? Il y avait dans ce camp de mineurs des quantités d'hommes. On connaît ce genre de femmes. Nick! Comme ma mère, il n'y en avait pas deux au monde. Oui, juste une simple, gentille petite fille. Ce que mon frère essaye très maladroitement de savoir, c'est... Depuis quand tu as appris? Il y a un mois, tout juste. Oh, oui, oui, bien sûr. Que s'est-il passé, il y a un mois? Ma mère est morte. Et aveu ultime sur un lit de mort. Nick, ça suffit, tais-toi. Continue. Je travaillais dans une ferme plus au sud. On m'a écrit de revenir, qu'elle était gravement malade. Elle était mourante. Elle ne m'avait jamais parlé de tout ça, ni dit qui était mon père, pendant toutes ces années. Quand je suis arrivé, elle a dit qu'elle avait quelque chose à me confier, qu'avant de mourir, elle voulait que je sois au courant. Elle avait une Bible dans une boîte tout près de son lit. Elle m'a demandé de la chercher. Elle a ajouté, regarde au verso de la dernière page. J'ai regardé tout de suite, cette feuille est tombée. Je l'ai ramassée et je l'ai lue. Quand je l'ai regardée à nouveau, elle était morte. Tout ce que tu as, cet article, ce morceau de papier. Il était mon père, je vous dis. Rentre ton papier, tiens. Vous ne me croyez pas, c'est les sans-cheval. Vous n'allez pas me renier comme il l'a fait pour elle. Commence par baisser le ton. C'est une bien touchante histoire que tu nous as contée. Peu convaincante, mais touchante. Néanmoins, à cause de celle qu'elle pourrait atteindre et peiner, je suis tout disposé à payer. Combien? 300, 500, combien veux-tu? Je veux ce qui me revient. Un nom légitime. Ma part d'héritage. Mon patrimoine. Ce qui est à moi. Bon, maintenant, ça suffit comme ça. Je veux te voir hors de cette maison, de ce village, de cette vallée. Et pour finir, écoute. Si jamais je te rencontre sur ma route, je finirai ce que j'ai commencé ce soir.
suis blessée. Blessée? Félicitez-vous de ne pas être morte, jeune folle. Qu'est-ce que vous faisiez là? J'écoute. Personne n'a le droit de me parler sur ce ton, vous entendez? Personne. Ah non? Non. Vous savez qui sont ces hommes? J'ai entendu mes frères qui en parlaient. J'ai voulu voir, me rendre compte. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Vous n'avez pas froid aux yeux? J'ai vu déjà pas mal de choses. Moi aussi, je voudrais avoir voyagé. Avoir l'expérience que vous avez. Pouvoir faire ce que je veux, quoi qu'il advienne. Tenez-vous tranquille. Mon frère Nick, il n'accepte rien de personne. À qui le dites-vous? C'est à lui que je voudrais ressembler. Mon père avait ce caractère. Ma mère trouve que je suis effrontée. Jean-Rod lui dit que je suis trop gâtée. Quant à Nick, lui, c'est autre chose. Il me comprend. Vous ressemblez à Nick. Une de ces brutes vous a enfoncé les ongles dans la chair. Nettoyez bien la plaie sitôt rentrée à la maison. C'est là que vous allez me ramener? Chez nous? Oui, je crois que nous avons tous les deux notre compte pour ce soir. Vous croyez? Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où vous êtes? Je suis seule. Dans une chambre. Avec un homme. C'est la première fois. Mais il y a un commencement à tout, n'est-ce pas? Pour s'évader. Pour faire connaissance. Pour l'amour. Pour mettre son frère à l'épreuve. C'est ce que tu es en train de faire. Menteur! Ce sont des mensonges! Une chose au crédit de ce vieil ours, ses enfants ne sont pas des mauviettes. Des mensonges! Tout ça, ce ne sont que des mensonges! Je n'ai pas à être fier, vous voyez, moi, de l'avoir eu pour père, étant donné la façon dont il a agi. Mais le nom de Barclay est un nom qu'on est fier de porter. C'est le mien, ce nom-là, et bon Dieu, je le porterai. Il faudra que les gens me respectent, que tes frères le comprennent. Tout ce que sont les Barclay, je veux l'être tout comme eux. Je voulais tout expliquer à votre famille, mademoiselle Barclay. Ils m'expliqueront après. On peut continuer seul maintenant. Merci, chérie. Tu es nouveau chez les Barclay, toi? Il m'a suivi quand il m'a vu sortir à cheval. Vous me l'avez déjà dit. Comment tu t'appelles? Comment? C'est la propriété des Svensson. Allez, hue, toi! Ils sont venus à plusieurs, sont venus chez moi, avec des fusils et des torches, en hurlant comme des loups furieux. Je suis resté là, sans rien dire. J'ai regardé faire. Moi, je ne supporterai pas ça. Quant à payer pour ce qui m'appartient, je veux bien être pendu. J'ai un papier, là, qui me dit de payer ou d'évacuer les lieux. Avant 8 heures demain matin. Sinon, qu'on me chassera de force. Je refuse. Tu m'entends? Je refuse. Qui est avec moi? Personne n'est avec toi, Franck. Je regrette, mais légalement, à partir de demain, cette terre n'est plus à toi. Nick.
Claude, Eugène, écoutez. Il y a 6 ans, votre père et le mien se sont battus et sont morts pour cette cause. Parce que votre père avait dit qu'il fallait se battre. Et ça vous a avancé à quoi? Tous autant que vous êtes, hein? Ton père et le vôtre, et 10 autres encore sont morts. 6 années de faux espoirs. J'ai le plus grand respect pour la mémoire de Thomas Barclay. Mais il n'était qu'un homme et un homme ne peut combattre des géants et les vaincre. Pas plus que vous ne le pourrez, vous qui êtes là, ou n'importe qui d'autre. Alors vénérez-le, priez pour lui, mais suivez son exemple, et vous irez rejoindre un mort jusque dans la tombe. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ce qu'il dit? Votre père ne nous a rien donné? Aucun moyen de vaincre? Ça n'a servi à rien. Harry, nous nous connaissons depuis toujours. Je te respecte assez pour ne pas te mentir. Tout homme qui s'approchera et voudra prendre cette ferme sera tué immédiatement. Navré de te l'entendre dire. Parce que moi, je suis avec eux. Il était loin d'être parfait, l'homme qui fut mon mari. Et qu'il a donc fait souffrir, parfois. Mais jamais il n'a rien détruit, seulement construit et donné la vie. Il savait que sa façon d'agir apportait quelque chose de nouveau. Une révolution qui voulait dire ceci. Tu es un homme libre. Et personne, ni le chemin de fer, ni Jordan, ni Thomas Barclay n'a de droit sur toi. Et il savait que pour parvenir à ce but, il fallait avoir du courage, de la force, de l'ascendance sur les hommes. C'est ce qu'il a voulu insuffler à ses fils. Si tu ne t'étais pas sauvé ce soir, tu aurais vu qu'il avait accompli son dessein. Cette dure bataille ne pouvait être gagnée en un jour, en un an, ou même en 10. Et puis un jour, il a fait une terrible, une irrémédiable erreur. Un jour, il est mort avant que quiconque ait pu comprendre. Donc, si tu étais mon fils, je te dirais, sois fier, porte haut la tête. Parce que tout fils de mon mari a le droit d'être fier. De vivre, de se battre, de vaincre comme il l'aurait fait. Et la personne, tu entends, personne, n'a le droit de te frustrer du droit du sang. Ce sont les paroles que je te dirais, vois-tu. Si tu étais mon fils. Tu en as assez, bon, ça va. Oui.
Si tu en veux, tu n'auras qu'à le dire. J'ai essayé de courir, me mettre à l'abri, mais je sentais ses griffes me labourer le dos et ses dents entrer dans mon cou. Je n'avais encore jamais eu affaire à un tel fort. Comment t'en es sorti? Son mari est arrivé. Quelle heure est-il? 8h-12. Sharon! Nick! Nelly. Où sont les enfants? En bas, à la cave. Rejoins-les. Pas un pas de plus, Harry. Ce jour à 8h du matin, sur ordre du gouverneur de l'État de Californie. On sait ce que tu vas nous dire, Harry. Et en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés comme shérif de ce comté... On t'a dit qu'on savait ce que tu allais nous dire. Les hommes ont reçu pouvoir des chemins de fer de la côte ouest de prendre possession de ta propriété. Non, par-dessus mon cadavre, alors. Écoute-moi, Frank. Écoutez tous. Ces hommes sont assermentés par la compagnie de chemins de fer. Et chacun d'eux est en droit de réagir comme il l'entend s'il estime qu'il est insulté ou défié. Frank, tu as une famille. Ça doit compter pour toi. Pense au tien. Réfléchissez, voyons. Jarod. Nick. Vous êtes vaincus d'avance. Jarod, dis-leur, voyons. Laisse de t'en mêler, Harry. Pour vous tous, c'est la mort certaine. Vous allez vous battre et vous n'avez pas une seule chance de vaincre. La justice de paix arrive à 9h. Donne-nous jusque-là.
Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Bonjour, ma mère. Bonjour. Bonjour, Eugène. Bonjour, maman. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Nick. J'ai toujours cru, Nicolas, que personne ne se servait avant que les grâces ne soient dites. Bénis-nous, Seigneur. Et qui plus est que les grâces n'étaient pas dites avant que toute la famille ne soit assemblée. Bon, voilà qui va déclencher une discussion, je suppose. Tout ce qu'il y avait à dire a été, je pense, longuement pesé et discuté hier soir. Non, permettez. Cette histoire qu'il vous a dite, elle est fausse et je peux moi vous le démontrer. Je vais le chercher. Toi, assieds-toi. Nicolas, modère le ton. Je dis que son histoire, je peux la démantibuler morceau par morceau. Dis-leur. Voilà, il dit. Bah allez, dis ce que tu penses. Silas, nous n'avons pas assez de citron. Veux-tu en apporter? Oui, madame. Alors, comme ça, nous voilà avec un fin de plus. C'est ça que vous essayez de me dire? Pas tout à fait de la manière dont tu le dis. Bon, eh bien, si le garçon est un Barclay, il a encore beaucoup à apprendre. Et je veillerai à ce qu'il sache bien ce qu'il attend. Ce qu'il y a eu à la ferme de Saint-Paul n'était qu'une échauffourée comparée à ce que des crapules telles que Crown peuvent provoquer ici. Et sais-tu à quoi je pense? Je donne à Crown tout juste 6 semaines, le temps de soigner ses blessures. Et il recommencera. Il y a de l'or à faire ici pour des hommes comme lui. Et ça n'est certainement pas la mort de 20 hommes qui l'arrêtera. Il a d'autres idées. L'eau a amené depuis les collines. Et j'en connais qui mettent bien tout en œuvre pour ne pas que ça se fasse. Cette vallée, c'est de l'or. Et on va voir arriver tous ces chacals puants qui, avec leurs sales pattes, voudront nous la prendre. Des ordures venant de San Francisco, telles des rapaces. Et tous les autres pauvres ratés, des chercheurs d'or qui n'ont jamais rien trouvé. Qui ont passé leur vie sans ramasser une pépite. Qui voleront le blé, prendront le bois, les fruits, s'installeront partout, feront comme si la vallée leur appartenait. Qu'ils ne croient pas un instant qu'il aura une vie facile. C'est une maison de travailleurs ici. Faudra qu'il fasse sa part, ce sera à prendre ou à laisser. Chez les Barclay, on est debout le matin, à 5 heures du matin, été comme hiver, chaque jour que Dieu fasse, et jusqu'à la nuit tombée, on travaille. Qu'il vienne me trouver, moi, une fois, une seule fois, et que je vois qu'il n'a pas mouillé sa chemise. Il y a une barrière qui est complètement démolie et un champ de luzerne qui a besoin d'être fauché. Et il y a ce pont qu'il faut réparer avant que mon cheval ne s'y brise une jambe, ce qui ne me plairait pas beaucoup. Eh ben, où étais-tu passé? On s'occupe de la luzerne ou du pont? Je te laisse le choix. Bénis-nous, Seigneur. Bénis cette nourriture que nous allons prendre. Bénis les dons que nous recevons de ta bonté. Bénis-nous par le Christ, notre Seigneur. Amen.